Tu dors tranquillement, bien au chaud dans ton lit. Tu es dans un monde où rien ne peut vraiment t'arriver. Tu te réveilles. Tu te demandes ce qui t'a réveillé. Tu as soif. Tu hésites à quitter ton lit douillet. Et l'envie d'un verre d'eau prend le dessus. Tu repousses tes couvertures et te décides enfin à te lever. Tu restes assis sur le bord de ton lit. Tu réfléchis. Tu hésites entre l'eau du robinet dans la salle de bain et la limonade dans la cuisine. Tu réfléchis au meilleur choix. Tu te dis que le chemin le plus court est celui de la salle de bain. Tu te dis aussi que la limonade est meilleure que l'eau. Tu choisis finalement la limonade. Tu te lèves enfin pour aller dans le couloir. Tu descends les escaliers, mais l'obscurité en bas te fait frissonner. Tu as envie d'allumer la lumière, mais tu ne veux pas réveiller tes parents. Tu descends même si la lumière est éteinte et l'obscurité est étouffante. Tu as peur. Tu sens que l'air autour de toi devient lourd. Tu te diriges à tâtons vers la cuisine. Tu es enfin arrivé devant la porte. Tu l'ouvres. Tu ouvres le frigo pour sortir la bouteille de limonade. Tu as l'impression d'être observé. Tu te sers un verre et le vide d'une traite parce que tu ne veux pas t'attarder ici. Tu retournes vers ta chambre. Tu as hâte de retourner sous tes couvertures. Tu commences à courir vers l'escalier. Mais si tu n'étais pas tant pressé, tu aurais regardé autour de toi. Si tu n'étais pas tant pressé, tu n'aurais pas trébuché. Si tu n'étais pas tant pressé, tu n'aurais pas eu mal. Si tu avais fait un peu plus attention, tu ne te serais pas cogné contre cette foutue table. Si tu avais fait un peu plus attention, tu aurais vu que ce n'était pas une table. Si tu avais fait un peu plus attention, tu aurais vu tes parents sur le sol. Culpabilise. Vas-y. Culpabilise. Car c'est ta faute si tu avais laissé ta fenêtre ouverte.